s'avère aussi un éclair par ses cousins, les Cyclopes. Depuis, il maîtrise le ciel, les tempêtes, la pluie, la neige et observe les hommes. Zeus délivra ses frères et sœurs du ventre de son père. Après les avoir délivrés, il donna un pouvoir à chacun d'eux. Zeus épousa sa dernière sœur, Héra, qui devint la déesse du mariage. Ils eurent 3 enfants. Aphrodite est née dans l'écume de la mer. Elle est symbolisée par 2 fruits et 2 animaux, la pomme et la grenade, le cygne et la colombe. Elle est mariée à Héphaïstos, le dieu du feu. Aphrodite est très jalouse, elle punit les femmes belles. C'est une épouse infidèle, mais elle sème l'amour partout où elle passe. Poséidon est le dieu de la mer, des rivières et des sources. Il est le fils de Cronos et de Rhea, Zeus, roi des dieux, et son frère. Poséidon est un dieu très puissant. Il possède une fourche à 3 dents qui s'appelle un trident. Avec lequel il peut déclencher des catastrophes naturelles comme des tempêtes de mer. Déméter est la fille de Cronos et de Rhea. Elle apprend aux hommes l'agriculture. Un jour, la fille de Déméter a été enlevée par Hadès. Quand Déméter vit que Perséphone était enlevée, elle dit à Zeus qu'elle arrêterait de faire pousser le blé. Déméter était la déesse des moissons. Alors, furieuse, elle arrêta de couper le blé et alla à la recherche de sa fille pendant 9 jours. Mais ni les hommes ni les dieux ne lui dirent la vérité, qui était la suivante. Elle avait été enlevée par Hadès, le dieu des enfers. Dionysos est le fils de Zeus et de sa maîtresse Sémélée, une femme qui meurt avant la naissance de son fils. Dionysos se cachait pour échapper à la colère d'Héra, la femme de Zeus. Dionysos est un grand voyageur dans le monde. Il offre aux hommes le raisin qui permet de fabriquer du vin. Il enseigne aussi la culture du vin aux hommes. Artémis est la déesse de la chasse. Elle est la fille de Zeus et de Leto. Elle est aussi la sœur jumelle d'Apollon. Artémis se promène toujours avec son arc et ses flèches en or. Elle porte aussi un croissant de lune sur son front. Pour elle, la nature et les animaux sont sacrés. Elle est leur protectrice. Hadès, le troisième fils de Cronos et de Rhea, règne sur les enfers, le royaume des morts, qui se situe dans les profondeurs de la terre. Il surveille les morts et les empêche de revenir dans le monde des vivants. Assis sur un trône, il gouverne grâce à un sceptre, avec Perséphone, fille de Zeus, à l'aide de son chien Cerbère. La naissance d'Athéna fut particulière. Elle sortit toute armée du crâne de son père, Zeus, en poussant un cri de guerre. Elle est représentée avec un casque et un bouclier. Athéna est la déesse protectrice d'Athènes, car lors d'un concours, elle offrit un olivier qui était très utile. En tant que guerrière, Athéna aide et protège les hommes grâce à sa sagesse et son intelligence.
Ares est le dieu de la guerre et de la destruction. Il est le fils de Zeus et de Héra. Il se fait battre par sa demi-sœur Athéna, qui est aussi la déesse de la guerre. Il tombe amoureux d'Aphrodite, la déesse de l'amour, femme d'Héphaïstos. Il les attrapa et les enferma dans un filet magique et les humilia. Héphaïstos est le fils d'Héra et de Zeus. Il forgea un jour le sceptre de Zeus, l'armure d'Achille et d'Héraclès et le trident de Poséidon. Il se vengea de sa mère car elle l'avait abandonné et il se vengea aussi de sa femme car elle lui avait été infidèle. Héra est la plus puissante des déesses. Elle est belle, elle ne devait épouser qu'un seul dieu, et elle épousa Zeus. Mais Zeus n'était pas fidèle, et Héra était très jalouse, alors elle persécuta toutes les femmes qu'il avait aimées. Hestia, la déesse du foyer. Hestia est la plus aimée des Grecs. C'est la plus douce. À chaque repas, on lui fait une offrande et chaque feu lui est dédié. Hermès, fils de Zeus, porte un manteau, un chapeau, des sandales ailées tout comme son casque. Il donna sa lyre à Apollon en échange du caducée. C'est le dieu des voleurs, du voyage, du commerce et des messagers. Il garde les routes, apporte les messages et facilite les voyages. Mais il conduit aussi les âmes en enfer. Le caducée est un bâton ailé entouré de deux serpents. Apollon est le dieu des arts et de la beauté. Il a inventé la musique, la danse et la poésie. Il porte toujours un instrument de musique nommé la lyre. Fils de Zeus et de sa maîtresse Leto, il a une sœur jumelle, Artémis, la déesse de la chasse. Apollon a de nombreuses histoires d'amour, mais c'est aussi un devin. Il connaît le passé et l'avenir.